Galloway Girl sur Voltage à l'instant. Voltage. Tout peut arriver avec Jordan Deluxe. Et vous. Joyeux 1er novembre à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur cette antenne Voltage. Non, nous ne faisons pas férié. Et ce soir, c'est un jour exceptionnel puisque Magloire et son ami Ziz sont avec nous. Bienvenue les amis. Nous sommes très heureux d'être là. Voilà, ça promet en plus. Ça promet d'être folklore. Ne promettez pas trop de choses parce qu'il va falloir qu'on finisse à poil et qu'on fasse des trucs de tout temps. Non. Alors s'il vous plaît. On va mettre des gens à poil, mais vous, ça sert à rien de vous mettre à poil. Vous inquiétez pas, on va le faire pour vous. Tu me racontes ce garçon. On va mettre des gens à poil. Très surpris. Vous seriez très surpris, voilà. On va en parler tout à l'heure. On va pas en parler. Finalement, L'Oréal, tu restes derrière ton micro. Jordan Deluxe, à toi et moi. Non. Je suis d'accord, je m'occupe de l'autre. C'est vrai. Partager dans la vie. Mais c'est pas pour toi. Il est avec son ami Ziz et ça va être une catastrophe. Julien, est-ce qu'on y va? Oui, ben on y va. Allez, on va parler un peu actu, les amis, avec Julien. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Oui, on va surtout parler de Magloire ce soir. Mais avant tout, j'aimerais dire un truc, parce que je me rends compte que quand je vois les chroniqueurs autour de cette table ce soir, je me dis qu'on aurait pu refaire un remake de l'émission Queer, tu sais, 5 experts dans le vent, parce que je sais pas si vous vous souvenez de l'émission, il y avait 5 experts, pas forcément des plus virils, je vous l'accorde, débarqués chez un hétéro. Cet hétéro manquait de style et les experts avaient pour mission de faire de lui un homme neuf en 12 heures. Alors si on hérite... Bah ils sont venus chez moi. Ils sont... et voilà, et du coup ça fait une femme complètement nouvelle. Si on change 2-3 trucs dans le format, on peut faire séducteur, 5 experts dans le vent. On les a nos 5 experts, on a Jordan, expert de l'application Tinder. On a Silver, expert en communication déjantée. On a Annick, experte en anus. En Uranus, Uranus. Hotman, expert des histoires glauques à raconter lors de son premier rencard. Et pour finir, on a Magloire, expert TV. Attention ce que tu vas dire. Expert TV et des soirées plein de gaieté. Et bien sûr, pour parfaire ce concept, on aurait notre inlassable hétérosexuel, le beau Jimmy à la réal, que nos experts tenteraient de séduire pour l'occasion. Même si entre nous, on sait tous autour de cette table qu'Annick a déjà fait chauffer la marmite avec Jimmy. Voilà. C'est bien ce que je disais, il aime les blondes. Voilà, je rappelle juste que cette chronique a été écrite il y a 2 jours. Jimmy n'avait pas encore fait son coming up. D'accord, maintenant tout le monde est au courant. On remet juste les choses. C'était un leurre. Bon, sinon, cette semaine. On apprend des choses. C'est incroyable. Cette semaine, on accueille une icône de la TV, que dis-je, l'icône de la jet set. J'ai nommé Magloire, mes amis. Alors, en faisant ma chronique, j'étais impressionné. Je me suis rendu compte que Magloire, il a tout fait. C'est un véritable slasher. Il touche à tout. Peut-être pas exagéré non plus. Si. On va le voir. Il fait plein de choses. Visiblement, il aime ça, en tout cas. Alors, Magloire, pour commencer, c'est la référence télévisuelle. Il a été présentateur sur TF6, ancienne chaîne du groupe TF1 pendant pratiquement 11 ans. Oui, en fait, il n'existe plus. Donc, il n'existe plus. Mais t'as même animé à l'époque une émission en 2004 qui, pour moi, était un peu la révolution. Ça s'appelait Follement Gay avec Virginie Efira. C'était la première émission qui tournait autour du thème de l'homosexualité jamais diffusée en prime time sur M6. Est-ce que tu te souviens, Magloire? Elle a été diffusée en prime time sur M6, renseigne-toi quand même. On a fait 20h50 où j'avais comme invité Christina Aguilera et quelques autres. Donc, quand même, tout de même, on l'a diffusée à 20h50. Non, elle a été diffusée, mais c'était la première fois qu'une chaîne généraliste diffusait cette émission. On avait Kylie Minogue aussi, et un jeune chanteur espagnol dont le fils est footballeur. Julio Iglesias, ouais. Et c'était plutôt sympa. Et moi, ce que je retiens de cette émission, c'est que c'était une très belle initiative pour l'époque. Et j'en suis ravi. Mais que ce soir-là, le public a préféré regarder, je cite, Thalassa sur la 3, Nestor Burma sur la 2 et les 100 plus grands coups de gueule sur la 1. Très mauvais public. Mais t'es une petite connasse, je me rappelle ça. Ce qui a positionné M6 à l'époque en 4e place sur le classement des audiences. Mais je te dis merde. Et j'aime ça. Et ça aurait été la seule et unique diffusion de l'émission. Et je suis désolé. Il y a 14 ans, je te fais un doigt. Mais pas de panique. Magloire, il a plus d'un tour dans son sac. Et pendant ces années TF6, Magloire, il a tâté. Oh oui, il a tâté. Et il a tâté le terrain, surtout ailleurs. Et il est devenu chroniqueur aux côtés de Michael Youn pour le fameux Morning. Ah oui, l'émission qui réveille tes voisins. Voilà, ça c'était de 2000 à 2003. Ah oui, ça fait plaisir. Et j'évacue la pression de la semaine. De la pression, dis donc. Ah oui, t'as vu, hein. Justement, en 2008, l'année où tout est possible, Magloire, alors là j'étais très surpris, devenu commentateur sur TF6 toujours. Oui. Et pour du catch. Oui. Donc tu commentais les matchs de catch. Oui, de la TNA.
Très bien. Le match qui se passait à Orlando, c'était très sympa. Très bien. Alors j'ai eu peur sur le moment, parce que quand j'ai lu l'info, je me suis dit que TF6 t'avait peut-être transformé. Il voulait nous prendre notre Magloire nationale pour le ramener à la raison et faire de lui la nouvelle icône des hétérosexuels. Et puis je t'ai vu dans Fort Boyard et ça m'a rassuré parce que du coup, on a entendu, ça sur Fort Boyard. Allez, maintenant, c'est juste un million. Voilà, oh, la page. C'est officiel, alors, Magloire a perdu toute trace de virilité à ce moment-là. Alors, je t'explique, je t'amènerai ce que j'ai dû à subir, c'est-à-dire j'avais des scorpions et des vers énormes, des araignées qui s'appellent des migales. La prochaine fois que je viens ici, je te les amène. Allez, et on verra le cri que tu me fais. Avec grand plaisir. Je ferai certainement le même cri que toi. Bon, alors ma chronique pourrait durer 4 heures, hein, tellement Magloire a fait de choses. Il a été même chanteur où il a enregistré un single avec un collectif pour une association qui lutte contre la microbiose. La braise de l'espoir, je les embrasse très fort. Il est aussi comédien, acteur, messieurs, dames. Oui, on t'a vu dans le film Is No Good et dans le clip J'aime trop ton boule de Fatal Bazooka. Est-ce que vous faites le lien Fatal Is No Good égale Fatal Bazooka égale Michael Youn, hein, que tu connaissais autant du Morning Live, hein, comme quoi ça sert, tu sais les potes. Hein. Bon, il le connaît. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est ridicule. Oh, oui. C'est ridicule. Oh, oui. Alors là, c'est tellement bête ce qui va t'arriver dans les escaliers tout à l'heure. Et surtout qu'il y a 5 étages. C'est terrible l'accident. Alors je terminerai sérieusement par dire que Magloire, c'est avant tout un enfant d'origine togolaise. C'est un enfant adopté à l'âge de 2 ans. Et à l'heure où tout le monde nous fait chier sur l'adoption, l'homosexualité et l'origine des uns et des autres, ben, je crois que ce beau monde peut fermer sa gueule ce soir. Parce que pour un mec adopté noir et icône des gays, ben, je trouve que sa vie est plutôt fun, épanouie et réussie. Alors pour ça, Magloire, merci beaucoup. Waouh, il termine bien. Tu pourras descendre de l'escalier sans aucun problème. Tu me laisseras ton papier, il est très bien. Non, mais c'est une vraie ordure parce que tu vois, il t'en fout plein la gueule, puis à la fin, il rattrape le truc. Bah ouais, parce qu'il a peur. C'est la technique commerciale. Il a peur de 130 kilos. Tu commences positivement, négativement, positivement. Ben n'essaye pas, Jordan, de rebondir sur mes kilos parce que tu vas les sentir. 130 kilos, maintenant. Non, pas du tout. Mais tu viens de le dire. Non, mais c'est pas vrai. Dis-le, c'est pas grave. Attends, je mens. Alors là, s'il y a un truc sur lequel je peux vous dire je mens, c'est les kilos. Et les kilos. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as toujours des soucis de poids, c'est ça? Pas du tout. J'ai aussi été anorexique. Je te promets que c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu regardes sur YouTube ma première chronique. C'était en novembre 2013. T'imagines, novembre 98. D'accord. Ah ouais. Ok. Tu fais ça sur YouTube et tu verras que j'ai été aussi anorexique. C'est pas son âge en plus, hein? De quoi? Il fait pas son âge. Mais t'as quel âge? Attention, tu dis parce que je peux aussi mentir sur mon âge. T'as quel âge, toi, Magloire? C'est un truc sur lequel je mens, c'est mon âge et mon âge. Donc. Il ment sur tout, cet enfoiré. C'est une catastrophe. Absolument tout. Ah oui, c'est une catastrophe. Bon, je veux que je vous présente quelqu'un. Il s'appelle Silver. Ah. Est-ce que vous le connaissez? Alors moi, je le connais bien. C'est un type absolument formidable. Mais il est totalement dingue. Ah oui, il est complètement à la rue. Non, mais. Moi, je l'aime beaucoup. Il est dans son train, il est content. Mais t'es propre aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Oh, Parce que des fois, tu remets des t-shirts 2-3 jours de suite. Et là, tu l'avais pas mis hier. Ah oui, non. J'échange tous les jours, mais. C'est vrai, il peut m'arriver des fois que j'ai. Parce que quand j'achète des t-shirts, des fois j'achète deux fois le même modèle, parce que j'ai le toc du double. Oui. Je double souvent les vêtements par sécurité. Fais ton papier. Lis-nous, voilà. Lis-nous, toi. Ta chronique à la con. Ne parle pas de tes t-shirts dégueulasses, ça fait de la peine à tout le monde. Allez, vas-y. Voilà. Alors, tu lis ton truc, mais tu ne parles pas de tes t-shirts. Alors, Silver, je rappelle que Silver travaille à la RATP depuis maintenant. Ah ben, je suis dans ma 24e année. Voilà, c'est un ami à la base de Jimmy, notre réalisateur, et qui nous a gentiment demandé. C'est un ami de Jimmy, voilà, le faux hétérosexuel. Voilà. Ça y est. En tout cas, franchement, Silver, j'adore ton t-shirt. Merci beaucoup. Space Invaders, voilà. 3 euros, marché Garibaldi. Aux apprentis d'Outeuil. C'est marqué quoi? Ça coûte rien, 3 euros, marché Garibaldi. Oui, c'est normal que ça coûte rien. C'est normal. Invader. L'autre côté. Il est sympa. Hein. Ah oui. C'est des jeux à l'ancienne. Ouais. Heureusement que c'était pas 4 euros quand même. Sinon, tu te serais fait baiser. Hein. C'est commencé à faire cher. Allez, on y va, vas-y, mon chéri. Mais Magloire, oui, Magloire, j'ai parlé de toi, mais Ziz, je tiens à te dire que je te vois partout dans le métro sur des affiches, mais partout dans le métro. Oui. Tu tapisses. C'est énorme. C'est là que je t'ai découvert. Sur des grandes affiches dans le métro, c'est génial. Tu sais pas faire de compliments, tu tapisses. Ah oui, non, mais. Ah, c'est agréable. Parce que plus il y a d'affiches, plus c'est bon signe. Tu es partout dans Paris, je te vois avec tes cheveux blonds. En tout cas, c'est génial. Il y a donc incalculable de caniches qui te pissent sur les chaussures. Donc, c'est bien. J'ai vu ça. C'est rien, ce côté des affiches dans le métro, c'est que voilà, ça rigole plus. Oui, c'est surtout vraiment qu'il y a un gros producteur derrière. Ouais, il a lâché la thune. Il s'appelle Ducrot, alors tu sais, les airs de province. Non, parce que c'est cool. On
y va, mon Silver. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui ? Magloire, eh bien, je vais vous parler de ville. Magloire, ça tombe bien parce que toi, tu es né à exactement 108 km 700 mètres de la ville de mon cul. Tu es né à Saint-Céré dans le Lot. À Saint-Céré. Alors tu vois, moi, quand j'étais chroniqueur, il y avait un truc que j'évitais, c'était de parler de mon cul. Oui. Parce que ça fait peur à tout le monde. Et ben, Silver évite ce sujet-là aussi. Et bien, les t-shirts et ton cul. Ah ben justement, ce n'est pas de mon cul que je parlerai parce que je viens de le citer maintenant. Mmh. Mais je vais vous parler de villes tout aussi cocasses, dont les noms sont tout aussi originaux. Et je peux vous dire, j'en ai une sacrée liste, comme notamment Anus. Et oui, la ville, la commune de Anus, qui se trouve dans Lyon, qui se trouve d'ailleurs à 554 km de mon cul. Donc entre Anus et mon cul, il y a quand même 500, plus de 500 km. On a aussi la commune de Bidon dans l'Ardèche. Ah oui, Bidon. Eh ouais, tout à fait. Vous avez Beach en Moselle aussi, hein. Et puis si vous passez par Beach, eh ben vous pouvez aussi passer par Bisou dans l'Orne. Ah bah dis donc, oui, c'est intéressant. Il me ça, semble hein, que Jordan est né à Beach, non ? Ouais, c'est non, ça. Mais non, on va comme ta sœur. On est né dans la même ville. La pauvre, laisse-la tranquille. Mais oui, et vous avez aussi la ville de Bourg-Madame. Eh oui, on a Bourg-la-Reine à côté de Paris, mais on a aussi Bourg-Madame dans les Pyrénées-Orientales. Et tout à l'heure, je vais vous parler d'Anus. Je vous parlais du Zizel, elle fait des signes de tête, tu sais distinguer. Et bien, vous avez aussi la commune de Duranus. Dis-moi, chérie, il te paye ici. Faut peaufiner le truc. Non, tu peaufines. Passe demain, on s'en fait une pour demain soir, parce que là... Non, parce qu'ils vont arrêter de te payer. C'est-à-dire qu'il y a un jour, tu vas payer pour venir. Non, mais c'est bête, c'est idiot. Hein. Ici, je l'ai déjà fait. On y pense déjà. Allez, continue, ma chérie. Continue, c'est bien. De Duranus, on peut aussi passer à Fourqueux dans les Yvelines. Fourqueux où a vécu Chantal Goya. Eh oui, Chantal pas. Goya a passé des années. Il n'avait rien connu. Pourquoi ça, Aziz ? Ça m'étonne pas, elle adore ça. Ah bon, Chantal Goya ? La campagne. Oui, c'est la campagne, exactement. Tu te rattrapes bien, toi. Hier, tu as reçu Yvette Le Glaire. Ouais. Eh bien, Yvette Le Glaire a son nom, puisque dans les Ardennes, il y a aussi la commune de Glaire. Oh. Nous avons aussi le Gland dans Lyon, la Bave dans les Vosges, la Conne. Vous parliez de monsieur et madame Conne tout à l'heure. Eh bien, là, on a la Conne aux Dordognes. On a aussi la Branlette dans les Hautes-Vienne, ainsi que la Chatte en Isère. Tu t'éclates à faire tes chroniques, toi. La commune du Froid-Cul dans la Moselle. Ça fait combien de pages ? Ah, bah, ça y est, c'est fini, quasiment. Ah, bah, tant mieux. Vous avez aussi la commune de Froid-Cul, oui. Froid-Cul en Moselle, avec les cornues en Ille-et-Vilaine du côté de chez toi, toi qui es breton. Et on a Crotenay dans le Jura et les deux Verges dans le Cantal. Et pour finir très vite, la Trique et vous, Zizette. Content puisque il y a la commune de là, plus loin, Ziza en Haute-Savoie. Nous avons effectivement aussi le Cercueil dans l'Orne, le Fion toujours en Haute-Savoie. C'est le sexe. Avec moi, mais... On pourrait en citer encore plein d'autres comme Poil, Trécon, Cucule en Hérault. Et bien sûr, moi je voudrais qu'on applaudisse très fort parce qu'il kiffe. Il kiffe le mec. Il nous fait chier avec des noms, tout le monde se fout. Et on a c'est ça qui est merveilleux. On a l'impression qu'il a bossé. Bravo mon chéri. Vous pouvez finir par dire 20 ans dans l'Indre et pour dire que c'est pas du glandage. Bravo, merci bravo. Silver, c'est très bien. On remercie vraiment la RATP qui nous le prête tous les soirs. Mais le personnage est assez incroyable et c'est pour ça que je l'aime. Oui, oui, on l'aime. Mais s'il vient pas un soir, on lui en veut pas. On lui le redit. Magloire, oui. Comment tu vas mon chéri ? Écoute, je vais très bien. On s'appelle déjà mon chéri ? Oh bah, moi j'appelle alors, il est 23h21, c'est formidable. Moi j'appelle tout le monde mon chéri. Ouais, alors, non, je suis d'accord. N'hésitez pas, vous avez des questions à poser à Magloire, vous pouvez venir sur le Facebook voltage.fr pour voir le live. Vous verrez les deux côte à côte. On les a mis juste à côté. Oui. Très belle. C'est quoi ? C'est un haut en fait, Ziz ? C'est un petit haut. Même pas vintage, une petite marque. Je sais pas, votre mère ne porte pas ce genre de choses. Ma mère, elle est avec la tienne. Je lui demande. Ziz sur scène est un symbole de sobriété. Oui. Moi, j'aimerais qu'à 23h22, on parle deux secondes de ce spectacle extraordinaire. L'horloge n'est pas à l'heure. Je sais que tu fais ce que tu veux parce que t'es un peu chez toi quand même. J'allais y aller. Oui, enfin là, j'ai l'impression qu'on m'a un peu envahi la baraque. Ah, les pourquoi mecs. Alors, laisse-toi faire. À midi, on est Wet Watchers pour la pub, d'accord. Ah oui, je pense que c'est pas Wet Watchers. On fait comme j'aime. Bon, t'écoute. Allez, c'est vas-y, Jordan. Le régime du camp, c'est le régime du gros. Oui, alors, c'est bon, on rigole. C'est bon. Ouais, vous êtes les premiers on à rigoler. Pas le physique. Ah non, bah, c'est pour ça qu'il est arrivé. Il a pas. Non, j'ai rien dit. Mais je sers tout seul. Alors, pas le physique, pas les vêtements.
Bah rien quoi. On fait rien. On fait rien. Alors, le physique, le vêtement. Allez, open bar. Bon, alors, ça s'appelle Ziz du panier dans la famille Mamma Mia. Alors, à savoir que t'as fait des premières parties, notamment Dan Roumanoff. Oui. Ah oui, c'est un truc qui t'a pas trop plu, ça. Si, un très très bon souvenir. Elle est sympa, je l'adore. Ah, oui. C'est comme une sœur. Comment ah, ouais. Ça, c'est pas y bon y sœur et sœur. Hein. Comment vous êtes rencontrés avec Dan Roumanoff? Dans une backroom. Oh non, Magloire. Par pitié. Elle fréquente pas ça. Je l'ai reconnu à l'odeur. Oh non, c'est pas vrai. Non, je vous en prie. J'adore. Gardez un petit peu de bien. C'est un hommage que je lui ai. Un hommage, tu parles, on se les garde, les hommages. Non, c'était dans un spectacle à Marseille. Elle avait besoin d'une première partie. Comme à Marseille, je suis un peu connu. D'accord. Donc, c'est vrai qu'elle a fait appel à moi. Alors, un peu connu, t'es très modeste, hein, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'affiches de toi en ce moment. Partout. Donc là, t'as débarqué à Paris. Voilà. Oui. Comment ça se passe? Ah bah écoute, ça se passe plutôt bien parce que le bouche à oreille fonctionne très bien. Surtout les gens, les gens qui viennent passent un bon moment, ils s'amusent. Et puis c'est un spectacle qui parle à tout le monde. C'est une maman un peu envahissante qui marie son fils et à son grand désespoir, elle voulait qu'il soit gay. D'accord. Et bon, il ne s'est raté, il ne l'est pas, et il lui ramène une Suédoise, alors qu'elle, elle est vraiment marseillaise à 100%, quoi. Et elle avait pas envie de se retrouver avec une Suédoise, alors en plus, ça s'entend pas trop bien, quoi. Mmh. Donc voilà. Donc c'est vrai que, les jeunes filles qui vont se marier viennent voir le spectacle, et puis elles tirent des plans, quoi. Elles se disent si ça va être comme ça. Il y a aussi des vieilles peaux, quand même, qui viennent voir le spectacle. Et il faut que tout le monde vienne, parce que pendant 1h05, on hurle de rire non-stop. Voilà. Ah, Léon, t'as un super impresario avec toi. C'est clair. Même si ça se dit plus depuis 1950, un impresario. Oui, mais nous, c'est depuis 1932 la dernière fois. C'est Orlando la dernière fois. Non, on l'embrasse. Faut qu'on l'invite lui aussi en ce moment. De toute façon, on a qu'à inviter tout le monde. Ah, vous invitez des vieux aussi? On invite de tout. Moi, je te dis, il y avait Yvette Leglaire il y a deux jours. Ah oui, bah oui. On a eu Julien Courbet, je tiens quand même à le dire la semaine dernière. Ah. Non, mais c'est pour les gens qui viennent d'arriver qui se disent. Non, on a quand même des personnes. Du lourd. Du lourd. La preuve. Ah, c'est ça. Vraiment du lourd. Alors, la presse en parle. Franchement, vous avez des super bonnes critiques. Ouais. Alors, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, j'ai Métro qui dit un spectacle tordant. Paris-Montmartre, c'est quand même. C'est une référence. C'était vraiment un bon moment de rire et de détente. Même la Dépêche qui nous dit abrasive et corrosive, Ziz trouve un habile dosage entre naïveté et autodérision. Donc il y a quand même pas mal de très bonnes critiques. Moi je voulais savoir comment en même temps là, les critiques tu les lis sur son dossier de presse, elle va pas mettre la merde. C'est clair. J'étais sur Bière et Duc. Non mais qui c'est qui a rigolé à ça? Non, j'étais sur Bière et Duc comme je l'ai fait pour Julien Courbet et c'est vrai qu'il y a très peu de mauvaises critiques. Mais non, donc j'en ai vu que c'est un bon spectacle. Il y en a pas. J'ai pas été le voir, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais c'est vrai. Donc je viens quand tu veux. Voilà. Comment ça se passe? Toi aussi. Ah oui, elle se tourne vers Jimmy. Calme-toi, que tu nous fais de l'attention. Calme-toi. À quel moment, Ziz, on se dit je vais monter sur scène pour parler, pour faire un spectacle? Parce que c'est quand même hyper stressant. C'est quelque chose que tu fais depuis combien de temps aujourd'hui? Alors moi j'ai commencé en faisant du cabaret. J'ai travaillé chez un monsieur habillé tout en bleu avec des grosses lunettes pendant très longtemps, pour pas le nommer parce que ça m'écorche un peu. Mais pourquoi ça s'est mal terminé? J'ai pas envie de parler de lui, quoi. Ça s'est mal terminé. Il parle pas de moi alors je vais pas parler de lui. Mais ça s'est mal terminé, c'est ça? Non, ça s'est pas mal terminé. Oh bah, sinon, tu pas il est venu me voir, il m'a dit vous êtes formidable, tu chéri, vous êtes formidable. Voilà. D'accord. Tu faisais qui chez lui? C'était il y a très longtemps, presque dans une autre vie. Donc j'ai fait Lara Fabian, j'ai fait L'âme, j'ai fait Hélène Ségara, j'ai fait plein de personnages. Et comme après j'ai tendance à l'embonpoint, comme ça peut se voir, donc j'ai grossi et j'ai fait des personnages un peu plus ronds. Donc à l'époque je faisais Muriel Robin et maître avis elle le sait qu'elle était grosse, hein. Donc, oui, je pense qu'elle est courant, oui. Mais je faisais, c'est en faisant Muriel Robin un soir qu'en fait je me suis dit moi aussi j'ai envie de faire du one, et je suis allé la voir dans une pièce de théâtre et je lui ai fait part de cette envie, et elle m'a dit écris et si tu veux un jour je lirai. Et j'ai jamais osé vraiment lui faire lire. Je lui en ai parlé une ou deux fois et elle m'a dit c'est une bonne idée, c'est très bien un personnage déguisé comme ça et tout ça. Et puis c'est en voyant Marie-Thérèse Porcher, pour ne pas la nommer, que j'adore, oui. Marie-Thérèse, à la Comédie Comartin d'ailleurs, que je me suis dit il y a une vie après le transformisme, on peut faire autre chose. Marie-Thérèse avait débuté à la Garçonnière à Genève et je l'avais vu aussi en cabaret, et là il était sur scène et il jouait un one, et je me suis dit bon, mais moi aussi je peux claquer la porte du cabaret Michou et écrire
mon spectacle. Alors ça a pris quelques années, le temps de l'écrire, le temps de le monter, de rencontrer des gens. Et puis j'ai pas couché, hein, on m'a rien demandé de notre côté, mais bon. Bon, sinon je l'aurais fait, tu penses bien. Il y en a qui font ça. Elle se tournait vers Jimmy. De toute façon, Jimmy, notre réalisateur, fait, mais c'est un carton plein à chaque fois. Ah oui, c'est Jimmy, normal, attends. On a Jimmy et Johan à gauche. Si vous aimez plus le non, métissage, mais c'est Jimmy. Ils sont bien. Ah oui, il y en a plein. Soprano. Il y a Silver. Moins, mais c'est dans un autre domaine, quoi. C'est pas le moral. C'est pas le même type de soirée. C'est pas le même type de soirée. Excusez-moi. Si t'as pas le moral, tu vas voir Silver. Extraordinaire. Ziz est avec nous, Magloire est avec nous ce soir. On est dans ta... Tout peut arriver dans un instant. La température va chauffer sa mère avec Annick la Lubrée qui va débarquer. Il y aura aussi Hotman le monstrueux. Mais juste avant, on va s'écouter Soprano avec Mon Précieux. Je suis ravi de vous avoir avec nous sur Voltage. Merci beaucoup Ziz, merci Magloire. Au revoir, non je rigole. Allez, voici Soprano. Magnifique déhanché de Magloire sur Mon Précieux. Le Soprano, c'était un Voltage. Tout peut arriver avec Jordan Deluxe.
et vous. Bonsoir. Tout peut arriver, vraiment tout sur Voltage. Et je vais vous dire quelque chose, je suis heureux ce soir de vous présenter cette émission parce que voilà, c'est ça ce que je voulais faire sur de l'antenne quand j'étais petit, c'est me dire allez ce soir, on ramène de tout et ce soir on a de tout, on a Magloire, on a Ziz, on a des personnalités, on a des gens qui vivent, des gens qui sont heureux d'être là et je voudrais vous applaudir parce que je suis heureux de vous avoir ce soir et ça me fait vraiment plaisir d'avoir des gens divers voilà qui permettent de vaincre un petit peu cette morosité qu'on a en ce moment. Merci. Merci beaucoup les chéris. Merci à toi, merci de ton ami. Merci à vous tous. Merci voilà. Beaucoup. Allez, on y va, on commence tout de suite avec la chaleur. Elle me fait peur, elle aussi. Ah oui, bah c'est elle normal. A des yeux. Elle est terrible, elle s'appelle Annie. Elle balance des yeux, des nichons, dis donc. Oh là là, elle est belle, elle a mis... J'ai bien fait d'en mettre. Elle a mis des petites chauves-souris et tout. Ah oui, elle a... non, attention, parce que quand tu lèves ta jupe, je vois ta culotte. On a vu ça. On va voir l'étoile d'araignée, surtout. Ils sont très, très spontanés, les chroniqueurs. Ah, ils sont très spontanés. Elle veut monter sa jolie robe, elle nous montre sa culotte. On me posait la question. Et d'ailleurs, elle aurait dû en mettre. Mais vous savez... Elle a le soutien quand c'est sorti. Vous savez pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'on les fait boire. Oh l'horreur. Ah, ils boivent. Je vais chez Lidl et j'achète des cubis de vin. C'est pas cher. Hein, mais ils connaissent pas trop les marques. Ils sont pas voilà. Difficiles. Et je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Modération cependant, ça permet de créer quand même une très bonne ambiance. Ah bah, j'ai vu Annick arriver. Elle est arrivée avec le sien. Elle a mis son cubis de vin. Non, mais c'est horrible. En bandoulière. C'est bien l'alcool. C'est bien. Et bon. Bah oui, Magloire avait lui sa glacière. Ziz me connaît bien. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on se connaît depuis 4. Oh là là. Oui. Ben oui. Elle était venue voir mon premier spectacle à Paris quand je jouais oui, à la moi cible. Moi je suis une fidèle, j'adore, ah oui. J'adore. C'est vrai. J'adore. Ah bah tu m'étonnes. Tu dois comprendre l'humour en plus. Je sais pas si c'est un compliment pour Ziz là ce que tu viens de dire. C'est un compliment pour tout le monde. Je sais pas pourquoi. Et heureusement qu'elle est là parce que je me sentais un peu seule au milieu de tous ces garçons ça y est. Aujourd'hui. Attention, vous entendez? On peut oui. Nous monter un petit peu le son. Ah oh oui, montez, montez. Oh là, allez, on monte. C'est sensuel. Ah bah ça, c'est la musique de la chaufferie. Ah, oh là là. Ah bah Annick, elle est astrologue dans la vie. Et elle a décidé de vous tirer les cartes. Ah wow. Pas les cartes. Alors, t'as fait les deux ou t'en as fait un des deux? Tu t'as fait quoi? Mais non, mais j'ai fait. Je suis trop tard. Je suis trop tard, mais vas-y. Ah bah, attends, comme ça, je reviens. On va s'occuper voilà. De toi un petit peu après, t'inquiète pas. Voilà, donc en fait, je n'ai fait qu'une lune et qu'un Uranus. Oh, ça recommence. Hein mais tu veux pas changer ça de disque? Ça m'étonne pas que ce soit Magloire. Alors. Allez, vas-y, balance. Alors, donc je me suis permise de visiter ta lune et ton Uranus pour en dire un petit peu plus à nos auditeurs. Il y a un monde est courageux. Ah bah oui, moi écoute, j'y vais en profondeur. Et alors, moi, je suis rassurée parce que Jordan m'avait dit ne sois pas trop vulgaire, on a des problèmes avec le CSA. Oui. Quand j'ai entendu Julien tout à l'heure, je me suis dit ouh, j'ai de la marge, j'arrive. Allez, bite cul, on y va. Oh non. Alors, c'est trop mignon. Alors.
fait 20 ans que je dois le faire. Ou 10 ans. Ah, faut se lâcher. Non, franchement, oui, vraiment. Et t'as envie de faire quoi exactement? Ou un seul en scène, ou oui, je suis déjà monté sur scène, mais pour des pièces de théâtre, jamais seul, et j'ai envie de le faire. J'ai envie d'écrire, et ce que je trouve que ce qu'a fait Ziz, parce que moi j'ai vu son personnage naître à Marseille dans un cabaret il y a des années, et je trouve que c'est pour ça que je la soutiens, parce que elle l'a fait depuis tellement, non seulement de progrès, mais surtout elle a eu le cran de le faire et pas les couilles. Mais on croit qu'on n'est pas capable d'écrire, mais un jour il suffit de se poser et puis de prendre un cahier et puis un stylo et d'écrire et de se lâcher, voilà. Et ça, de se lâcher, de s'autoriser. Moi quand j'ai écrit, ça m'a pris pratiquement un an, mais j'ai écrit 8 heures de spectacle. 8 heures. Ah oui, après, ça fait beaucoup. Et après c'est mon prof du cours Florent, Raymond Acquaviva, qui m'a aidé à en faire 5 spectacles en fait. Et la famille Mamamia, c'est le troisième en fait. Le troisième. Hier ici il y avait la Leglaire. Oui, il y a ça qui avait. Daniel y avait Dammartin, la Leglaire. C'est pareil aussi. Oui, ils ont rencontré il y a 20 ans aussi. C'est un peu. Oui, voilà, c'est le même truc. Voilà. Je vous présente quelqu'un. Ah. Il s'appelle Otman. Il est terrible. Et je crois qu'il arrive. Oui, Amis avec le S, parce que j'ai des problèmes de prononciation. Je vous propose de découvrir un être bizarre qui aime les histoires terribles et méchantes. Voici de la gloguitude à volo, voici le terrible, terrible, terrible Otman. Les terribles histoires d'Otman. Merci pour ce très beau générique que j'ai fait moi-même. On va commencer avec une histoire terrible, Otman. On va se faire une spéciale cruauté si Ziz ne s'étouffe pas. C'est ça de manger et de boire pendant l'émission. Mais non, j'ai eu peur d'un coup. J'ai entendu cette femme hurler, ça aurait pu être moi, violée dans une rue du 16e. Arrête de rêver. Oui. J'allais dire la même chose. Vous alliez dire la même chose, Otman. Laissez-moi rêver. Otman, la cruauté est le plaisir que l'on éprouve à voir un être vivant souffrir. Ça, c'est le dictionnaire Larousse qui dit ça. Tout à fait. Alors Emma, une Anglaise de 24 ans, a fait la connaissance de Jesse, un Français de 26 ans, en août dernier, alors qu'elle se trouvait en vacances à Barcelone. Durant le séjour, ils sont sortis ensemble, puis elle est rentrée en Grande-Bretagne. Les deux amoureux sont restés en contact, et il y a quelques jours, Emma a payé un billet d'avion pour rejoindre son amour de vacances, qu'elle appelait sa petite musaraigne. À son arrivée, devinez ce qu'il s'est passé. Alors, bah, je non, sais pas. Taisez-vous, ne dites rien. Lorsqu'elle a atterri, Emma a reçu un SMS de son petit ami. Tu t'es fait piéger, c'était une blague, en fait je ne t'aime pas. Il lui a expliqué qu'elle avait été victime d'un pari entre amis qu'il appelait le pari de la moche. Le gagnant était celui qui, vous l'avez compris, sortait avec la fille la plus moche, et c'était donc elle. Oh, c'est horrible, vous vous rendez compte, un truc pareil. Vous l'avez déjà gratuite. Fait ça? Parler de... Non, ça va pas. À nous, on peut pas faire le plan de la moche. C'est pas possible. Que, c'est possible. Horrible. Attends, parce que c'est un piège, soirée connasse. Quelle horreur. Allez, pourriez-vous m'indiquer le chemin, s'il vous plaît, Otman? Alors, Lucas Cavard, un étudiant âgé de 19 ans, a participé à une sortie scolaire organisée par l'Université de l'Indiana aux États-Unis. Accompagné de spéléologues, les élèves exploraient des grottes situées à des kilomètres de l'école. Un moment, des camarades de classe de Lucas lui ont demandé de prendre un chemin en particulier, prétextant que le professeur le réclamait. Devinez ce qu'il s'est passé. Alors, Ziz, taisez-vous, ne dites rien. Il est chiant, lui. Hein. Il a donc été séparé de son groupe pendant quelques temps. Et les autres membres du club de spéléologie n'ont pas remarqué son absence. Ils ont alors quitté la grotte tranquillement en fermant l'entrée de celle-ci derrière eux. Le jeune homme s'est alors retrouvé enfermé seul dans une grotte plongée dans le noir. Il a tenté d'appeler les secours avec son téléphone portable, mais il n'avait évidemment pas de réseau. Se pensant en fin de vie, il a rédigé sur son smartphone des mots d'adieu à ses proches avant que son téléphone n'ait plus de batterie. Pour survivre, Lucas a léché les parois de la grotte pour y trouver de l'humidité, raclé les papiers de barres de chocolaté et mangé de petits insectes. 3 jours après sa disparition, il a été retrouvé et il est sain et sauf aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un truc que vous auriez fait, lécher les parois d'une grotte. Ah, mais j'aurais léché n'importe quoi. Si vous saviez le nombre de parois que Ziz laisse. On aurait pu faire une chronique bien plus longue. T'as dit quoi? Et que je suis prête à lécher aussi. Je suis plus ouverte que la frontière de Perpignan, vous savez.
Et pourtant, elle est très grande, cette frontière. Oui, c'est large. Elle est large. Allez, avec ou sans sauce piquante, Ziz, Magloire? Alors, faut voir. Non, mais faut pas répondre. Ah oui, c'est ça. C'est il enchaîne normalement. Alors, Li Chanel, une Vietnamienne de 23 ans, s'est mariée avec Shin Keo, 24 ans, il y a 7 mois. La jeune femme enceinte a commencé à soupçonner son époux d'infidélité, car ce dernier s'absentait souvent durant plusieurs heures. Accompagnée de 4 copines, Li Chanel a donc suivi son mari. Les 5 jeunes femmes ont fait irruption dans un appartement, enfin, plutôt devrais-je dire dans une véritable garçonnière, et l'ont surpris en flagrant délit avec sa maîtresse. Devinez ce qu'ils lui ont fait. Alors, non, taisez-vous, ne dites rien. Bah, mais ça fait longtemps qu'il fait l'émission, il n'a rien compris ou quoi? Ni d'une, ni de deux, Li Chanel a enfilé des gants de latex pendant que ses amis retenaient la maîtresse de Chine, retirant ses sous-vêtements avant d'ouvrir un sac de piments. Elles ont ensuite enfoncé ces piments dans les grottes et les parties intimes de la maîtresse, puis ont pris des photos de la victime et les ont publiées sur les réseaux sociaux pour se venger. C'est un grand malade, hein, votre man. L'horreur. Mon Dieu, mais c'est horrible. Non, mais c'est pas vrai, ça. C'est pas nous, on trouve tout ça horrible. Annick, elle fait « Oh oui !» Ah non, mais Annick, c'est une grande malade. Les petits mains dans la grotte. Oh, mets-moi ton petit main dans la grotte. C'est épouvantable, mon Otman. Pourquoi t'es cruel comme ça? En plus, c'est pas tes histoires là. Je suis non, sûr mais Otman, que tu c'est pas vrai. Non, ça. Je ne mens pas. C'est pas vrai. Il y a une fausse histoire. Non, là-dedans. Je te dis que je ne mens pas. Dis la vérité. Mais n'énerve pas, oh là là. Il y a une fausse histoire. Comme hier c'était Halloween, normalement, il y a toujours une chronique qui n'est pas vraie. Ce soir, exceptionnellement. Oui, tout est faux. Les piments dans les parties intimes sont vrais. Oh non. Oubliez le jeune homme dans la grotte pendant 3 jours. C'est pas vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et le pari de la moche. C'est pas vrai. C'est vrai également. Oh, les trois sont vrais. Aujourd'hui, exceptionnellement, les trois sont vrais. Eh ben, faites semblant d'être étonné. Non, mais il y a quand même un mec qui s'est tapé le culot à Barcelone, alors qu'il y a des filles sublimes à Barcelone. Il s'est tapé tout l'été une moche, juste pour un pari. Mais moi, le con. Ça aurait été le pari du con, finalement. Moi, je trouve que c'est très gênant que tu racontes cette histoire devant Annick, c'est sa vie privée. Salope. Je veux pas en parler. Arrêtez, les amis. Quelle horreur. Tu t'es fait rembourser les billets ou pas? Non. Même pas. Dans un instant, sur Voltage, les amis, vous êtes dans Tout peut arriver. Magloire résistante avec nous. On fait gagner des places pour se dire dans un instant. On parle respectivement de vos actualités. Même j'ai si plein de trucs à dire. Il y a plus d'actualité. Allez, à toutes. Non, je déconne, c'est une vanne, c'est une vanne. Non, mais tu sais qu'elle est pas drôle. Non, mais je sais. Ça veut dire que tu n'as pas étudié le dossier. Tu ne sais pas ce que je fais toute la journée. Le dossier, il est en face de moi. Non, je l'étudie. Attention, allez. Penche-toi sur le dossier. On s'écoute. Firefly. All City. À tout de suite sur Voltage. Magloire et Ziz sont avec nous. Bonne soirée.
Fireflies, All City sur Voltage à l'instant. Voltage. Tout peut arriver avec Jordan Deluxe. Et vous. Bienvenue sur Voltage. Ah, j'aimerais tellement savoir où est-ce que vous êtes. Peut-être que vous êtes allongé sur votre canapé en train de regarder un film et en nous écoutant, vous avez peut-être coupé le son. Ou alors vous êtes sur Facebook, vous regardez un petit peu tout ce qui se passe, puis vous regardez ces petites vidéos virales qui passent comme ça, vous savez, avec les écritures qui passent. Moi, je regarde. Moi, je peux vous dire qu'il y a Antoine à Saint-Jean-de-Luz qui est nu sur son canapé, qui nous écoute, je l'embrasse. Ah, c'est vrai. Eh ben, on t'embrasse, Antoine. On l'embrasse tous. Envoie-nous qu'une photo, fais-nous partager ce que tu fais. C'est pas mal. Ou peut-être que vous êtes. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans les VTC. Tout ce qui est alors je vais pas citer les noms parce que on va se prendre, ça va énerver des taxis. Il y a aussi beaucoup de taxis qui sont là, voilà, qui nous écoutent aussi. Merci les amis d'être avec nous. Alors je vais vous faire gagner des places, donc si vous voulez des places pour Ziz qui est avec nous ce soir. Voici la question à laquelle il faut répondre: de quelle ville est originaire Ziz? Alors Marseille, Saint-Jacques-les-Pins ou du Togo? Voilà, c'est je les aide pas du tout, ouais. Enfin, justement, je dis rien comme ça, Que le Togo n'est évidemment pas une ville, hein, mais un pays. Alors, il nous écoute, j'espère que non, d'ailleurs. C'est Silver qui a rédigé les questions. Il ne faut pas toujours lire ce qu'il écrit, Silver, tu sais. C'est une règle de base dans le métier, tu sais, Jordan Deluxe. Si vous avez la réponse, répondez-nous sur le live Facebook ou alors sur voltage.fr ou alors si vous voulez, si vous avez un téléphone, j'espère quand même pour vous, c'est quand même mieux. Il y en a qu'on n'en a pas. Hein. C'est pas compliqué. Par SMS 71-200, tapez Voltage en début de message. Voilà, vous nous répondez à cette question pour gagner des places pour Ziz, un spectacle complètement fou et détonnant. Je vous rappelle la question: de quelle ville est originaire Ziz? De Marseille, de Saint-Jacques-les-Pins ou alors de ce magnifique pays qui est le Togo. Voilà, un petit extrait de ta voix pour que les gens comprennent. Oui, non, mais franchement, moi je viens du bord de la mer, quoi, tu vois. voilà. Je peux vous aider un petit peu, si vous le dites carrément, quoi. Trouvez pas, panier, quoi. Si vous ne trouvez pas, c'est vraiment que vous avez un problème. Un problème. Vous pouvez aller travailler avec Silver à la RATP. Non. Quelques heures supplémentaires. On embrasse la RATP. D'ailleurs, pas moi. Ah bon, pour le pourquoi coup, pas moi, parce que je prends rarement ce demain. Mais à chaque fois que je le prends, il y a une grève. Donc, non, moi, c'est les embrasses. Ouais. C'est un vrai souci avec ça. Mais c'est un vrai problème. Ouais. Un vrai problème de galère. Oui. Je suis très énervé. Voilà. C'est quoi le souci? Faut que j'en parle d'ailleurs, Silver. Je suis allé faire des salons à Villepinte et je me suis retrouvé perdu au Bourget. Marché, j'ai failli, enfin bon, alors, je peux pas vous raconter ma vie mais j'ai envie de pleurer. Attends, pour te rassurer, la partie Bourget c'est SNCF, mais bon, c'est vrai que je t'en c'est un ensemble. Non, pas du tout, non, y a pas la revanche du Togo. Mais je te comprends, mais crois-moi qu'ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent pour vraiment transporter les gens dans de bonnes conditions. Bah, la preuve, je le dis en tant que client, parce ils ont embauché pas la com de la RATP, bien sûr. Tu n'es pas la com de la RATP? La com. Je ne me permettrai pas de parler à leur place. Il est normal. Moi, je sais que moi, je voyage beaucoup en métro. D'ailleurs, je ne prends que le métro et le Vélib. Et franchement, je suis vraiment heureux qu'on ait le métro à Paris. Il y a eu un gros souci sur le RER aussi il y a 3-4 jours avec l'inondation. Oui, alors ils en ont parlé dans 20 minutes. Effectivement, dans pas mal de magazines. Bon, a priori, on s'en fout, Silver. Tout le monde s'en fout. Carrément. Et là, on a perdu plein à cause de toi. Tout à l'heure, c'est à cause de la blonde. C'est vrai que quand tu les trouves. Non, mais ça, nous, on peut venir. Hein. C'est pas compliqué. Il y a mieux. Hein. Ah, oui. C'est plus cher. C'est beaucoup plus cher. Faut les payer, les gens. Mais je les paye. C'est un chroniqueur, ça se paye, ça bouge. Ah bah oui, quand c'est gratos, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est compliqué. Ça les vaut. Attendez, il y a des gens qui ont répondu à la question qui était: de qui Ziz est-elle originaire? D'où est originaire Ziz? Elles ont répondu Marseille et vous avez bien répondu. Alors vous choisissez entre elles. Alors qui a gagné? Il y a Jérémy, Cyril, Sabrina, Nadine, Laurent. On choisit qui? Est-ce qu'on peut en choisir plusieurs ou alors on en choisit deux? Alors Jérémy, Cyril, Sabrina, Nadine ou Laurent? On fait quoi? Nadine. Nadine. Laurent. Parce qu'elle n'est pas gâtée avec son prénom, la pauvre. Oh, Nadine et Laurent. C'est ça. Allez, c'est pas terrible. Et je prends Cyril en troisième si jamais Nadine répond pas. On sait jamais. Donc Nadine et Laurent, voilà, c'est bon, vous avez vos places, les chéris, c'est pour vous. Donc ils ont deux places chacun. Eh ben, il n'y a pas grand monde au spectacle.
Mais non, c'est parce qu'on est généreux. Mais je rigole. Qu'est-ce qui te prend, Jimmy? Pourquoi tu nous fous des génériques en plein air? Jimmy aussi, je t'en donne deux. Il a sorti un ticket pour la loge, Jimmy. Non, enfin bon, ça, c'est quoi, t'as dit quoi? Il a un ticket pour la loge. Ah, t'as un ticket. Allez, moi, j'ai pas des pensées malsaines, Jimmy. Je oh, tu penses non. Oh là là. C'est toi, c'est toujours comme ça que je les ai. Non. C'est vrai? Non, mais sincèrement, Jimmy, Ziz, ça pourrait être possible. Non, mais dans non, un... ça pourrait ouais, être mon fils, tu plaisantes ou quoi? Non, mais non, mais petit, là, oh, quand même. Un petit bisou, par exemple, là, ça pourrait joli. Jouer ou pas? Enfin, toi, tu pourrais lui faire un petit bisou? Non. Ah oui, je pense que je vais y mettre plein de rouge à lèvres comme sur la tasse, c'est dégueulasse. Pourquoi? Fais très attention. Parce que faut pas partir sur ce terrain-là. Oui. Hein. Pourquoi? Ah bah parce que c'est. Enfin, après, tu gères l'après-émission. Oui. Oui, c'est ça. Parce qu'on aura des choses à se dire. Ouais. Ouais. On va se dire des choses. C'est la première fois que je vois un réalisateur objet. Le mec, c'est un meuble. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que c'est un objet, ce pauvre garçon. Il est là, on va le forcer. Non, non, alors je te rassure, je ne suis pas pauvre. Non, non. Je suis bien un garçon aussi. Mais tu fais pauvre garçon, là, ce soir. Non, non. Tout le monde est là. Sur toi, c'est terrible, enfin bon. Je sais bon, pas si tu embrasseras la RATP. Mais voilà. Moi, de toute façon, je finirai avec la RATP tout le temps, tout le monde le sait. Oh non, c'est pas du tout un pauvre garçon. Moi, je vais partir avec Hotman, il va m'égorger ce soir. Voilà, il va t'égorger. T'as envie des piments, toi, t'as envie des piments, ma cochonne. Non, mais c'est vrai que ça a été quand même une semaine difficile pour Jimmy, parce que je vous dis, il y a Yvette Leglaire, il y a vous deux ce soir, et on est beaucoup dessus en ce moment. Enfin, il a plus de chance avec moi qu'avec Yvette Leglaire, quand même. Déjà, moi, je sens bon, elle, moi, Jimmy, et je fais une grosse dédicace à ma copine. Voilà, on embrasse ta copine, bien sûr. Mais oui, moi aussi, j'embrasse. Bien sûr, on embrasse Pascal et on continue tout de suite l'émission avec Pascal. Magloire. On embrasse Pascal et Robert et Geoffrey. Jimmy, je t'aime et je sais bien que je te taquine. Voilà. Et je te remercie d'être là tous les soirs. Tu as beaucoup de courage d'être venu dans cette émission. Je te rappelle que l'ancien s'est suicidé. Je confirme aussi. L'ancien s'est suicidé. Il n'en pouvait plus. Vous êtes sur Voltage. Yeah, toujours. Wouh. Magloire et Ziz sont avec nous. Alors Magloire, ouais. Parle-nous un petit peu actu, mon chéri. T'as envie de faire du stand-up? Alors stand-up, ce que tu ça on fera. Mais ce que je viens de faire, c'est surtout un doc sur les grands moments de la vie de Michael Youn, les grands moments de télé. D'accord. Michael Youn avec plein de gens, Olivier Marchal et plein de gens. Voilà, il y a 17 invités. L'émission, c'est pour le mois de mars. Ça, c'est un truc qui me plaît. Je vais refaire des documentaires très prochainement. Je prépare une un très beau moment et c'est caritatif. C'est le sapin de Noël de Marie-Christiane Marek. C'est à Bruxelles, c'est à Paris, c'est à Luxembourg. Et à cette occasion là des marques, des créateurs, des designers comme Frédéric Julien par exemple qui fait des chaises magnifiques. Moi j'en ai une sur scène. C'est mieux pour t'asseoir. Ouais. Ça sera vendu aux enchères et c'est pour la lutte contre le cancer, ça je tenais à le dire parce que c'est quand même une cause formidable. Et Marie-Christiane qui est une journaliste de mode de grand talent se bat depuis des années pour faire ça, donc ça c'était les mentions sérieuses. Sinon vous pouvez toujours aller chez mon copain Eric acheter des chaussures Baron Papillon. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je fais de la pub, non je plaisante. Et sinon vous allez me retrouver très vite dans mon lit dans une heure à peu près. Voilà. Mais vous donnez l'adresse. Je voulais qu'on revienne sur un moment de ta vie que t'as passé. J'ai entendu parler de dépression. T'en as fait une dépression, c'est bien ça? Mais on est obligé de parler de ça? Bah ouais. Je voulais en parler mais vite non, fait. Mais je crois qu'on est parfois très gâté dans la vie. Ouais. On l'est. Je l'ai été, je le suis. Et parfois on se rend pas compte qu'effectivement il y a une petite pression, on se rend pas compte que c'est beaucoup. Tu sais, à un moment donné, on se levait le matin à 3h du matin et personne savait qui on était. Et 15 jours après, j'avais des mecs qui venaient péter la porte de ma maison en disant mon image, l'émission qui réveille mes voisins et qui réveille surtout ma gloire. Et cette descente a été difficile à gérer en fait, c'est ça? C'est pas la descente, c'est justement que ça n'a pas vraiment descendu, que les gens te parlent toujours de la même chose dans la rue et qu'à un moment donné, ben, t'en auras le bol parce que tu penses à autre chose. Tu sais, je fais jamais t'en as marre qu'on te parle du morning live. Bah, ouais. C'est-à-dire que c'était 5 heures par jour dans ma vie pendant 8 ans, mais j'ai un autre métier et ouais, on nous colle toujours ça, mais bon, on va pas se plaindre non plus, c'est un peu grossier de se plaindre, mais effectivement parfois on est un peu dans le creux. Et puis on revient, on fait autre chose. Merci sur ce petit moment émotion. Ziz est avec nous ce soir. Vous pouvez la retrouver dans la Mamma Mia, la famille Mamma Mia. Voilà. C'est du mardi au samedi à 19h à la Comédie Comartin. Merci beaucoup. Moi j'étais ravi. Il faut vraiment y aller. Merci mon Magloire d'être venu. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Oh bah tu vois, avec Jimmy, c'est lui qui cale les invités. Oh, merci mon Jimmy d'amour. T'as été à très vite. Super réalisateur ce soir. Je suis désolé de t'avoir embêté. T'inquiète pas, ça va être encore pire avec Alex Good.
Ah oui, oh là là. Il en est aussi, c'est une catastrophe cette semaine. Il en est quoi? Merci, il en est revenu. De quoi merci, parle, Jordan. Merci Silver, merci Hotman, merci mon Julien, merci au CM les chéris, et merci Jordan. À tout le monde. Merci vraiment. On peut dire merci à tout le monde comme ça. On vous retrouve demain matin, Jérôme et Esther qui sont là, l'équipe du matin. Je vous embrasse très fort. Oui. Je les connais. Bien. Ah bon, d'accord. Ah bah oui, oui, on le connaît bien. Ciao, bye bye, vous étiez dans Tout peut arriver. À demain sur Octave.